bad boy. Dans le checks comme un bad boy. Je tombe pas vu, y'a pas de preuve. Bloc 9 comme un bad boy. Je me fie au cas y'a pas de peau. Et dans mon verre, que de l'alcool. J'suis dans le noir, mais j'ai pas peur. Moi, j'suis flingué comme un bad boy. Ce soir là, début, franchement, préparation, niveau préparation, bon, il y a toujours du stress, hein, pour moi, ça fait partie du truc. S'il y a pas de stress, c'est limite pas bon. Moi, si tu te fais chanter, j'ai pas de mes bruits devant la santé, j'arrive dans le rap, je fais de la porte. On a préparé ça comme tout le temps, hein, comme la release, comme tout ce qu'on prépare, vraiment, c'est plus un amusement. On s'amuse, moi je m'amuse avec l'autotune, des fois je fais des bails que je ne vais jamais faire en concert, tu vois. Franchement, pour nous c'est vraiment un amusement, c'est un kiff, un partage, et c'est plus comme ça la préparation. Oui, oui, ben oui. Surtout que moi je suis plus dans la musique kiff, tu vois, la musique c'est un kiff et on partage, on vit, on profite. En tout cas, donc, niveau préparation, franchement, on va pas dire qu'on est très rigoureux. Tu vois, on prend bien notre temps sur chaque son, etc., etc. C'est un plaisir, tu me vois en répète, tu te dis pas que je bosse, tu te dis lui, il s'amuse, la fort. Je pense que tout se passe dans la tête, hein, la confiance en soi-même. Tu vois, on sait pourquoi on est venu. Tu vois, des fois, même si je peux être sceptique de savoir, comme par exemple dernièrement j'ai fait un show en Guyane et c'était la première fois que je descends en Guyane. Je peux être sceptique de savoir comment ça va se passer, mais bon, je sais pourquoi je suis venu. C'est le truc que je préfère de la scène en vrai, c'est vraiment ça, quand le public il pète ses clés, tu vois. Ça c'est mon truc, c'est quelque chose que j'avais pas connu avant, tu vois. Je réalisais pas qu'on est de l'autre côté, tu vois. Et franchement, ça c'est vraiment ce que je kiffe. Après, ça fait toujours plaisir d'arriver sur la scène, tu vois, et puis de sentir que ta musique, ce que tu fais, ton travail, peut aider des gens là qui sont en soirée à s'amuser encore plus, demain à les aider à surmonter une galère ou à faire ceci. Des fois, je fais des photos, des gens me racontent des anecdotes, tu vois, je me dis, putain, en vrai, c'est ma musique qui fait ça, tu vois. Grâce à ma musique, il y a ça, tu vois. Ça fait toujours plaisir, en vrai. Quelle force ça me donne. En vrai, c'est juste que quand je suis sur scène, je me lâche. Hein, en vrai. Comme quand je suis au studio, c'est juste que je me lâche. C'est comme quand, avant, j'allais au foot et je jouais au foot, ben, en fait, je me lâchais, je lâchais tout ce que j'ai. Quand je sors de la scène, c'est mieux qu'un psy, tu vois, pour moi. Quand je sors d'une bonne scène là, c'est mieux qu'un psy. Bon, quand même pas, mais. T'as capté. Ben, la famille, merci à tous ceux qui suivent, hein. Merci à tous ceux qui suivent et restez connectés parce que petit bisou, un petit indice, hein, on le lâche là. Ouais, Didi 2, ça arrive. Alors les fans de... ça arrive. Combien l'argent m'a fait capter à pas passer, faut qu'il passe après. Mon vieux Goliath, s'il passe, il belle.